Au centre hospitalier universitaire de Libreville, il est presque 24 heures. Les équipes sont déjà en place. Les derniers bébés de cette maternité ont pointé le bout de leur nez peu avant minuit. C'est au total 4 nouveau-nés qui viennent de refermer l'album des naissances 2023. J'aimerais bien souhaiter mes vœux les meilleurs d'abord à toutes les sages-femmes du Gabon. Aujourd'hui, nous avons actuellement 4 accouchements, dont 3 garçons, une fille. Et puis, pour l'instant, toute l'équipe est là, nous nous portons bien et nous attendons avec nos portes très grandement ouvertes et nos sourires très largement au niveau de nos visages, les dames, pour leur faire accoucher. L'accouchement, une étape qui n'est pas du tout facile pour les mamans, mais qui après la venue des bouts de chou est accueillie avec joie. C'était très difficile, mais Dieu fait grâce. Je suis tombée sur les bons médecins qui m'ont bien traitée jusqu'à j'ai eu mon fils ce 31 décembre à l'hôpital général. 2024. En attendant le premier-né de 2024 dans cette maternité du CHUL, le personnel se réjouit déjà du nombre de naissances accueillies cette nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024. Et se félicite car les nouveau-nés ainsi que leurs différentes mères sont en excellente santé.